Alors, n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous. Et si l'Ukraine perdait la guerre? Lancée en juin dernier dans l'est et le sud du pays, la contre-offensive de Kiev était censée percer les lignes de défense russes. L'objectif? Rejoindre la mer d'Azov et rompre le pont de ravitaillement entre la Russie et la péninsule de Crimée annexée par Moscou en 2014. 6 mois plus tard, l'armée est encore à quelques centaines de kilomètres de la mer d'Azov et les Russes tiennent toujours la plupart de leurs positions. Pour regarder la ligne de front, voilà, il y a Bakhmut qui a été prise par les Russes. En janvier, ils ont relancé une offensive qui a à peine progressé. On a sous-estimé une nouvelle fois la résilience de l'armée russe. On a cru qu'elle allait s'effondrer sous le poids des morts qui atteignent des sommes astronomiques. Ce n'a pas du tout été le cas. La Russie a fait repartir ses industries d'armement, réussi à avoir des nouvelles munitions sur le... Mais ce qui me frappe, c'est que En dépit des événements qui se précisent de jour en jour, en dépit du fait que nous connaissons globalement l'état des forces sur le terrain, même si on ne voit pas bien qui pourrait percer aujourd'hui, eh bien on est systématiquement dans la même négation des faits dans tous les grands médias français, et qui sont bien pires que les médias américains. Vous pouvez regarder RT aux États-Unis. Les grands journaux américains qui sont capables de sortir des désinformations majeures sont aussi capables d'avoir des articles d'une objectivité étonnante. Et je ne lis malheureusement pas l'allemand, je regarde plutôt le monde anglo-saxon et le monde hispanophone. Alors il n'y a pas grand-chose à regarder dans le monde hispanophone qui est très suiviste aussi, mais on n'est pas loin d'être au même niveau que les Britanniques dans la détestation et dans la condamnation systématique de la Russie de manière grossière et aveugle. Il y a beaucoup plus de je ne sais pas si c'est de la liberté, mais en tout cas de différences de point de vue aux États-Unis. Au moins 3 personnes ont été tuées et 5 autres blessées jeudi dans un bombardement russe dans le village de Tchornobaïvka, dans la région de Kherson, dans le sud de l'Ukraine. Les autorités ukrainiennes évoquent l'utilisation de bombes à sous-munitions. 60 de bâtiments résidentiels et des fermes ont été endommagés. La Russie affirme de son côté avoir détruit 16 drones ukrainiens dans la nuit de jeudi à vendredi, la plupart d'entre eux au-dessus de la Crimée. Base arrière de l'armée russe, la péninsule annexée par Moscou en 2014 est régulièrement ciblée par Kiev depuis le début de la contre-offensive. Un hommage a par ailleurs été rendu au journaliste russe décédé de ses blessures dans une frappe ukrainienne dans la région de Zaporijia selon les autorités russes. Boris Maksudov travaillait pour la chaîne de télévision publique Rossiya 24. 15 de journalistes sont morts depuis le début de l'invasion russe de l'Ukraine. Il n'y a pas besoin d'être grand clerc pour faire une évaluation. Je pense que depuis l'été 2023, on se rend compte que c'est une offensive qui est un peu mort-née. Elle n'a jamais réussi à percer le système de défense russe. Donc cette première armée ukrainienne, si vous voulez, a été détruite fin mai, début juin 2022. Ensuite est venue une deuxième armée, littéralement, puisque l'armée ukrainienne a été réapprovisionnée en chars, en avions, en munitions, en artillerie, en munitions d'artillerie, etc., avec les restants de ce qu'avaient les ex-pays de l'Est comme armement de l'époque soviétique. Et cet équipement a duré jusqu'à la fin 2022. Et là, pratiquement, ce matériel a été détruit par les Russes de nouveau. Donc, c'est la deuxième démilitarisation, si vous voulez, que l'armée ukrainienne a subie. Et puis, à partir de décembre-janvier 2023, enfin décembre 2022, janvier 2023, les Ukrainiens demandent des armements plus moderne aux Occidentaux. Et c'est ce que font les Occidentaux jusqu'en l'été, c'est-à-dire fournir des chars Léopard 2, des chars Abrams, enfin, toutes sortes de tous les chars qu'ils avaient dans leur inventaire et qu'ils avaient d'ailleurs en surplus, et y compris les matériels d'artillerie, les Césars, les HIMARS, etc. Et puis, à partir de l'été 2022, eh bien, ce matériel ne suffit plus. À partir du début de la contre-offensive de juin 2023, pardon,
Ce matériel ne suffit plus, il a été détruit, et là, les Occidentaux sont un peu pris, j'allais dire, au piège pratiquement, parce qu'ils avaient prévu que l'aide qu'ils allaient fournir à l'Ukraine allait permettre de conduire à la victoire, parce que l'idée était, avec une offensive en direction de la mer d'Azov, couper le dispositif russe en deux, avec d'un côté la partie orientale, Marioupol et le territoire russe, et puis sur la partie occidentale, l'Ukraine et la partie qui jouxte Zaporogie et Kherson. Mais cette percée n'a jamais pu se faire, les Ukrainiens n'ont jamais pu diviser, enfin couper en deux le dispositif russe, et par conséquent, leur armée se détruit au fur et à mesure. Et alors, actuellement, on est dans une situation où les Ukrainiens n'ont plus d'armes, n'ont plus de munitions, et surtout, plus gravement, ils n'ont plus d'hommes. D'abord, les analystes militaires qui connaissent le sujet, et j'en ai dans mon équipe, la réflexion, c'est de dire qu'on est quand même très frappé par les capacités d'adaptation de l'armée russe et toutes les innovations dont ils ont fait preuve depuis le début de la guerre. Je crois qu'on ne l'a pas assez dit, mais au début du conflit, il y avait à la fois un double phénomène de sous-estimation et de surestimation de l'armée russe. Je vais faire une petite digression. Je me souviens, à la fin de la guerre froide, des camarades du service action qui, se précipitant en Russie pour ouvrir des sociétés de sécurité militaire, enfin des sociétés de sécurité privées en partenariat avec les anciens des groupes Wimpel, Grom de l'armée russe, revenant un petit peu effarés en nous disant « mais... les Américains nous ont raconté des billevesées depuis des années parce que l'état de l'armée russe est bien plus déplorable que ce que nous pensions. » Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune officier de renseignement, on savait dans les années 80 qu'en cas de conflit, l'armée rouge mettrait probablement 10 jours pour arriver à Brest et à Toulon. Mais on savait généralement que 3 semaines après, vu qu'il n'y avait pas de logistique, puisque l'armée russe était soviétique était essentiellement une armée défensive, je ne parle pas des missiles et tout ça, je parle vraiment de la partie armée de terre, qu'il y aurait un certain nombre de problèmes. Et c'est vrai que tous les observateurs venant du monde militaire ou du renseignement qui se sont rendus régulièrement en Russie après-guerre avaient cette vision des choses. Et inversement, vous avez tous ceux qui pensaient qu'on avait une armée russe absolument exceptionnelle et qui ont donc été très déçus du manque de résultats de l'offensive lancée en février dernier. La vérité est bien sûr un petit peu entre les deux. L'armée russe est sortie d'un long processus de reconstruction depuis le début des années 2000. Et comme souvent, le manque d'adaptation qu'on observe dans l'armée russe au début d'un conflit est très très vite rétabli par une capacité d'adaptation et une innovation assez importante. Donc ça, ce sont des choses que l'on observe aussi en matière de guerre électronique, en matière d'utilisation des drones, et on le voit encore ces derniers jours, en matière d'utilisation des... on appelle ça des bombes planantes. Les grandes interrogations, c'est beaucoup plus sur l'emploi des forces terrestres. Sur le plan des forces navales, il n'y a pas grand-chose qui a été fait. On sait très bien que toute la zone d'Odessa et le littoral et les plages sont minées, donc les débarquements ne peuvent pas se faire. Et de toute façon, la flotte russe était très vieillissante. Il y a un nouveau programme de corvettes qui est sorti, des corvettes surarmées, que les Occidentaux ont décrit comme une nouvelle tentative un nouveau signe de l'hostilité et du réarmement russe. Ce qu'on oublie souvent, alors, soit par malveillance, soit par méconnaissance, c'est que c'est un programme qui date d'il y a une trentaine d'années, qui a tellement été repoussé, qu'il ne voit le jour qu'en ce moment. Donc... Mais en réalité, l'Ukraine, déjà pour faire sa contre-offensive, avait déjà dû commencer à racler les fonds de tiroir pour avoir suffisamment d'hommes pour alimenter leur contre-offensive. Or, ça n'est pas arrivé, ils n'ont pas assez d'hommes, et aujourd'hui, ils manquent de tout, et ils ne parviennent plus à alimenter non plus une contre-offensive, parce que là, je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a bien compris que les Ukrainiens n'ont plus une capacité offensive du tout, mais maintenant, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont même plus de capacité défensive, et... On voit que depuis la fin août, je dirais, mois d'août de cette année, eh bien, ce sont les Russes qui sont à la manœuvre, ce sont les Russes qui ont l'initiative. Les Russes n'ont pas l'intention d'avancer beaucoup dans le territoire ukrainien parce que, comme je l'ai dit, ils n'ont pas envie de se confronter à une population qui leur sera sans doute beaucoup plus hostile que celle de l'Est et du Sud du pays, qui était globalement, d'abord qui est russophone, qui est de culture russe, qui est historiquement
qui a une histoire avec la Russie qui est très forte, et qui, depuis 2014, avait subi les exactions de Kiev. Parce que ça, c'est un élément qu'on ne doit pas oublier dans cette équation. Nos médias ont toujours essayé de faire croire que l'Ukraine était un pays unique avec une seule nation, qui tout le monde se tenait la main. En réalité, ça n'est pas tout à fait le cas. En 2014, avec l'abolition de la loi sur les langues officielles, juste après le coup de Maïdan, eh bien, on a vu une scission entre le sud et le nord du pays, enfin le sud, entre le sud-est et le nord-ouest. Le nord-ouest étant de culture, j'allais dire ukrainienne, mais c'est un mélange de culture magyare, polonaise, un peu ukrainienne. Alors que dans le sud-est, c'est une culture qui est essentiellement russophone et russe, ethniquement russe. La vraie question aujourd'hui, c'est est-ce que les Russes sont à bloc? Est-ce que, ils jouent la montre et qu'ils ne veulent pas aller plus loin? Est-ce qu'il va y avoir une offensive d'hiver? Je vous avoue que je ne vais pas me perdre en conjecture sur le sujet parce que nous manquons, à mon sens, d'éléments très précis. Et ceux qui suivent ce conflit, j'entends dans les services de renseignement et dans le monde militaire, ont quelques éléments supplémentaires, bien sûr, par rapport à nous qui ne sommes plus dans les cadres. Mais je pourrais changer de temps en temps, je ne vois pas une vision très claire de leur côté non plus. Donc, et si vous regardez l'activité quotidienne, le front ne bouge quasiment pas depuis 6 mois, malheureux, indépendamment du fait qu'il y a énormément toujours énormément de victimes. Voilà, ça c'est la grande question. Tout ce qui est donné à l'Ukraine, et même si ça continuait sur le rythme de ce qui existait avant la crise de Gaza, ne sert pas à grand-chose. Les matériels qui leur sont donnés sont toujours d'anciens matériels en majorité, notamment pour les F-16 qui ont été promis. Et avant que ça porte ses fruits de toute manière, je pense qu'on n'en verra pas les faits. Et on est toujours dans une logique qui est quasiment celle qu'on a depuis le début, c'est qu'on est dans une guerre que les Ukrainiens ne peuvent pas gagner et que les Russes ne peuvent pas perdre. Maintenant, ça laisse encore un certain nombre de portes ouvertes pour d'autres formes de scénarios. Depuis le début de cette année, avec la bataille de Bakhmout, il y a eu une sorte de scission, ou en tout cas des tensions, entre le commandement militaire et Zelensky. L'armée ou la guerre en Ukraine, du point de vue ukrainien, elle était conduite par la politique, complètement par la politique. Et j'arrive presque à dire qu'elle était guidée par la communication, presque. C'est la communication du bureau de Zelensky qui a dirigé les opérations. Et donc aujourd'hui, on voit au sein de la conduite ukrainienne, à la fois politique et militaire, on voit des tensions, on parle d'arrestation de Zaloujny ou de limogeage de Zaloujny. On a vu que l'aide de camp ou le second de Zaloujny a été l'objet d'un attentat à la bombe. Bref, on voit qu'il y a une certaine instabilité qui se dégage actuellement en Ukraine. Les sondages qui ont été faits en Ukraine ont montré que la popularité de Zelensky est en chute libre et donc il n'est plus soutenu par sa population. Et les tensions entre les militaires et les politiques semblent s'accentuer de jour en C'est ça, jour. mais ce qui est très amusant, c'est que, alors même que la crise de Gaza se produit, et qu'on rappelle, même si je suis un farouche défenseur de l'existence de l'État d'Israël, que les Israéliens n'ont cessé de bafouer et ont violé plus de 100 résolutions de l'ONU, ça ne rétablit pas du tout la réalité des faits avec Moscou. On le voit sur d'autres sujets. Nos amis américains continuent à occuper une partie du territoire syrien de manière illégale, où ils ont leur base pour les opérations contre Daesh. Les Turcs continuent, aussi membres de l'OTAN, continuent d'occuper le nord de la Syrie. Les Turcs continuent à occuper depuis 1974, de manière tout à fait illégale, la partie nord de l'île de Chypre. Les Turcs ne reconnaissent pas la convention de Montego Bay de 1982 sur le droit de la mer, provoque nos amis grecs, illumine des frégates françaises. Aucune réaction juridique sur ce plan-là. Et bien évidemment, quand on revient à la question russo-ukrainienne, tous les torts viennent à Moscou. Et ça ne change pas. L'évolution actuelle ne semble pas devoir remettre cela en cause. Là, j'ai vu même ces derniers jours que la Cour de justice internationale avait demandé à l'Azerbaïdjan de permettre le retour des Karabakhs, des Arsakiotes au Karabakh. Et tout ça n'est pas suivi des faits. Donc on est toujours sur le deux poids, deux mesures. Et la honte ne nous étouffe pas, il faut le reconnaître, et que systématiquement, notre camp occidental applique les règles qui l'arrangent et non pas les règles internationales qu'il est censé être respecté. Alors les États-Unis
en fait, avait dans l'idée que cette guerre devait se passer. Et on le sait parce que il y a un rapport qui a été écrit par la RAND Corporation, qui est un think tank du Pentagone, qui a été écrit en avril 2019 et qui décrit sur 300 pages, par le détail, tout ce qu'on a vu se dérouler entre la fin décembre, enfin décembre 2021 et février 2022. Et on retrouve à peu près tous les éléments, y compris ce qu'on a retrouvé, par exemple, la tension entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, les tensions en Asie centrale. Ce document contient à peu près tous les éléments de politique étrangère qu'on a vus ces 2 dernières années. Donc, il y a clairement une manœuvre américaine derrière ce conflit, qui avait pour objectif d'affaiblir la Russie. Alors, pourquoi affaiblir la Russie? En réalité, il y a de nombreuses théories là-dessus. Je me base sur ce qu'avaient écrit les commentateurs politiques américains avant la guerre de 2022, ou l'intervention russe de 2022. Et il y avait déjà l'expression de l'idée d'affaiblir la Russie, pas seulement pour le simple plaisir d'affaiblir la Russie, mais aussi pour éviter qu'elle puisse devenir un allié robuste pour la Chine. Quand on regarde la politique intérieure aux États-Unis, on a finalement tous les signaux annonciateurs des crises internationales qui vont suivre. Parce que depuis, faut trouver une date, on va dire depuis le début de l'élection de Trump, le pays est très difficilement gouvernable. Les divergences entre les républicains et les démocrates d'une part, mais aussi bien au sein du camp démocrate que du camp républicain, sont en train, enfin, ça fait quasiment 8 ans bientôt, de totalement, comment dire, geler et bloquer le système politique aux États-Unis. Et ils en arrivent très souvent à un stade où les budgets sont bloqués de 3 mois en 3 mois au lieu d'être débloqués sur plusieurs années, et ils se retrouvent à la limite de ce qu'on appelle le shutdown. Avec les risques de séquestres qui suivent. Et donc, la logique américaine, c'est qu'à un moment donné, si on ne peut plus résoudre nos problèmes internes parce que nous sommes dans des situations de blocage, il n'y a qu'une crise internationale qui nous permet de le résoudre. Je reviendrai tout à l'heure. Je pense que ça a évidemment joué de manière très forte à partir de l'été 2021. On en avait, nous, tous les paramètres, et ça a amené aux provocations que nous connaissons tous, qui ont poussé finalement l'armée russe à réagir en prenant les armes et en lançant son opération spéciale en Ukraine. Alors, je le disais à Irina tout à l'heure, c'est très amusant quand on regarde la politique américaine aujourd'hui. Moi, j'ai l'impression de revoir un vieux film des années 70, mais en inversé. C'est-à-dire que vous avez un Biden qui est à moitié grabataire, comme pouvait l'être Brejnev à un moment donné, et autour de lui, vous avez une espèce de comité central avec les néoconservateurs, Blinken, Nuland, et puis après des acteurs plus importants, le Pentagone, la CIA, où on essaie de trouver un consensus pour prendre des décisions parce que le président n'en prend pas. Les Américains ont toujours comme objectif central de leur politique étrangère, l'affaiblissement de la Chine, qu'ils voient comme leur principal challenger, à la fois sur le plan économique, sur le plan de l'influence aussi, et surtout probablement sur l'influence dans la zone Pacifique. Le Pacifique a toujours été le précaré des États-Unis, bien plus que l'Atlantique d'ailleurs. Et c'est la raison pour laquelle les Américains ont une fixation sur la Chine. Et on a naturellement toutes ces rumeurs de tensions entre Taïwan et la Chine, enfin, qui sortent un peu du cadre de notre discussion, mais qui sont en arrière-plan. Et pour éviter que la Chine puisse s'adosser à un adversaire robuste, l'idée était d'affaiblir la Russie. Et on voit parallèlement à ça la multiplication des vols de reconnaissance américains et otaniens sur les frontières russes. On voit les déclarations que vous connaissez tous sur la Russie va attaquer, la Russie va attaquer. Puis, vu les prophéties étant autoréalisatrices, nous avons vu le résultat. Et ce qui est intéressant, c'est que
Il y a un deuxième élément que nous n'avions pas vu avec l'équipe du CF2R, que nous n'avions pas pris en compte, c'est celle du Brexit. Parce que autant on connaît l'ancienne stratégie américaine d'après 1991, qui est celle de l'expansion de l'OTAN, de l'affaiblissement de la Russie, d'ailleurs pas très intelligente, parce que vu qu'à terme l'objectif des Américains c'est la Chine, l'alliance avec la Russie paraissait la meilleure des choses à faire. Et donc, sur ce plan-là, force est de constater que la stratégie américaine n'a pas marché. Par contre, il y a un deuxième élément qui nous avait échappé, dont je crois qu'il est très important, c'est le Brexit. Pourquoi ? Parce qu'à partir du Brexit, il n'y a plus d'éléments anglo-américains dans l'Union européenne. Alors ce que je dis n'est pas tout à fait vrai, puisqu'il se trouve que nous étions formateurs en matière pour la direction de la sécurité du Parlement européen, et que lorsque les Anglais sont sortis de l'Union européenne, tous les fonctionnaires britanniques sont restés en place. Parce que les gens du Parlement et de la Commission ont considéré que ces femmes et ces hommes qui étaient salariés des institutions européennes n'avaient pas à être envoyés chez eux. Donc vous voyez, le MI6 n'a même pas infiltré du monde au Parlement européen, puisque les fonctionnaires britanniques sont restés en place. Mais néanmoins, ce qu'on a commencé à percevoir, c'est qu'au moment du Brexit, qu'évidemment pas plus les Américains que les Anglais ne voulaient, le monde anglo-saxon s'est trouvé finalement dans une situation où ils ont pris peur en se disant « nous n'avons plus de moyens ». D'influence sur l'évolution de l'Union européenne. Et ils ont eu la crainte forte qu'un axe franco-allemand reprenne le leadership et se rapproche de Moscou. Et puis, deuxièmement, un affaiblissement aussi structurel, puisqu'il y avait cette idée de, et il y a toujours cette idée d'ailleurs, de démembrer la Russie. Ou plus pour prendre la terminologie exacte du département d'État américain, pour décoloniser la Russie. C'est-à-dire que vous savez que la Russie est une fédération, que cette fédération est composée d'entités politiques qui elles-mêmes représentent des entités souvent ethniques différentes. Et l'idée, c'était de fragmenter la Russie en une multitude d'entités ethniques et d'en faire une sorte de la faire éclater en quelque sorte. Alexei Arestovitch avait dit en mars 2019, c'est-à-dire un mois avant les élections qui ont porté Zelensky au pouvoir, il avait dit que l'objectif de l'Ukraine était d'entrer dans l'OTAN, mais que, étant dans une situation tendue avec la Russie et pratiquement en état de guerre, on est en 2019, je le rappelle, étant en état de guerre avec la Russie, il fallait pratiquement avoir une confrontation avec la Russie, de sorte que la Russie puisse être vaincue, qu'on puisse lui appliquer toutes les sanctions nécessaires et qu'elle soit définitivement vaincue et qu'elle ne soit plus présente sur la scène internationale. Et à ce moment-là, les alliés, les membres de l'Alliance Atlantique, auraient donné leur accord à l'entrée de l'Ukraine dans l'Alliance Atlantique. C'est un projet un peu fou, mais là aussi, dans cette interview que Arestovitch donne à la chaîne de télévision Apostrophe en Ukraine, c'est une interview d'environ un quart d'heure, en tout cas les morceaux que j'ai vus, et dans cette interview, il décrit avec une grande précision la manière dont l'Ukraine devra entrer en guerre avec la Russie à la fin 2021, début 2022. C'est que l'Europe, en tant qu'Union européenne cette fois-ci, c'est-à-dire comme entité multilatérale, a montré sa faiblesse diplomatique. C'est-à-dire que durant toute la crise, la diplomatie européenne a été inexistante. Et l'idée que l'Union européenne, cette idée qu'elle a de rapprocher les peuples, qui est finalement son idée maîtresse, eh bien, elle a totalement échoué dans ce domaine-là, elle a été totalement absente. Mais on peut étendre ce raisonnement aux autres diplomaties occidentales, parce que finalement, on a vu que pendant toute cette période de 20 mois qui nous sépare du début de l'opération, pratiquement, la diplomatie occidentale son seul effort, si vous voulez, a été d'essayer d'empêcher que les pays du reste du monde, comme on le dit, s'éloignent davantage de l'Europe. On s'est créé un adversaire, en fait, qu'on n'avait pas du tout besoin d'avoir. Et ça, je pense que tous les pays du monde s'en sont aperçus, sauf en Europe, où on s'est convaincu nous-mêmes d'un narratif.
Mais le problème de ce narratif, ce n'est pas seulement la question politique, mais c'est aussi qu'on s'est privé d'une source d'énergie pour laquelle nous avions toutes les infrastructures, elles étaient là, elles étaient rentables, elles étaient amorties. Et maintenant, on est obligé de recourir à des sources d'énergie qui sont beaucoup plus coûteuses en substance, de manière inhérente, beaucoup plus chères, parce qu'elles sont plus difficiles à extraire, mais aussi plus difficiles à transporter. Et il faut créer des infrastructures pour les accueillir, pour les faire circuler dans l'Union européenne. Enfin bref. Donc on a une énergie qui est beaucoup plus chère et on commence déjà à en voir les effets. Enfin, ça fait déjà maintenant quelques mois qu'on en voit les effets, notamment en Allemagne et dans l'Europe de l'Est, qui est aujourd'hui littéralement suffoquée par le manque d'énergie. Donc on s'est tiré une balle dans le pied. Tout à l'Ukraine. Alors, il y a quand même une tentative de ce petit groupe de néoconservateurs autour de Blinken et Sullivan et Noland qui essaie de ramener les choses, mais sinon, sur tout le reste des groupes parlementaires, ils ne s'intéressent plus à l'Ukraine. La seule préoccupation, c'est Israël et l'Iran. C'est-à-dire que nos amis américains sont aujourd'hui dans une logique qui ressurgit, qui est très anti-iranienne. Est-elle ou pas fondée, ça c'est autre chose. Et on sent bien qu'ils sont à l'affût du moindre incident, du moindre fait qui pourrait être interprété par eux comme étant une provocation iranienne pour déclencher quelque chose. On l'a vu avec le fait qu'ils aient envoyé un certain nombre de conseillers militaires au milieu des combattants israéliens. Ça bloque finalement d'une certaine façon des frappes de milices iraniennes ou pro-iraniennes, le déploiement des porte-avions dans le Golfe. Donc il y a vraiment un revirement complet sur le plan militaire de soutien à Israël. Et on l'a vu, tout ça sur la crise ukrainienne va obligatoirement avoir à moyen terme un impact parce que l'intérêt médiatique d'une part, l'intérêt politique de l'autre et les subventions et les aides financières et militaires ne vont pas tarder à se tarir, sauf revirement pour l'instant qu'on ne voit pas se dessiner. Je pense que c'est le seul point sur lequel la stratégie américaine a réussi, hein, vassaliser l'Europe et nous rendre encore plus dépendants des États-Unis, non seulement pour le gaz naturel liquéfié, qu'il soit d'ailleurs norvégien ou américain, puisque les Norvégiens ont multiplié leurs ventes par 2,5 suite à l'affaire de Nord Stream 2. Donc je crois beaucoup plus à la version de Seymour Hersh sur la destruction du pipeline qu'à l'histoire qu'essaie a priori de nous monter la CIA et le BND sur un pauvre petit colonel des forces spéciales ukrainiennes qui aurait monté l'opération depuis un yacht. C'est à coucher dehors, mais parfois, plus c'est gros, plus ça passe. Donc, cette évolution internationale, elle est déjà intéressante au niveau américain. Toujours situation de blocage interne. Polarisation sur Gaza, ce n'est pas une manœuvre. Hein, ils ont une vraie, comment dire, un vrai soutien à Israël, mais aussi une espèce d'attitude presque explosive en disant si on pouvait faire quelque chose contre l'Iran, on le ferait. Les Iraniens aujourd'hui ont massé des troupes dans le Nakhitchevan et sont, même si c'est pas un pays qui est spécialiste des opérations militaires conventionnelles, sont prêts à en découdre avec les Azéris si les Azéris prennent de force le corridor de Zanguezour. Et on commence à voir, et on se dit finalement, si les Iraniens font ça, alors que les Israéliens continuent à livrer des armes en Azerbaïdjan, que vont faire les Israéliens? Si les Israéliens font quelque chose et qu'il y a une réaction iranienne, que vont faire les Américains? Et voilà, on voit le lien avec les deux théâtres, obligatoirement. Et puis bien sûr, tout ça ayant un lien, puisqu'on est dans le Sud-Caucase, qui est traditionnellement une zone d'influence russe, Moscou ne pourra pas rester sans réaction. Alors, il faut reconnaître que les Arméniens se sont comportés comme sans aucun sens stratégique, hein, depuis l'élection de Pachinian. Quand on est un pays sans ressources, enclavé, traditionnellement très lié à Moscou, vouloir essayer de faire une révolution orange avec Soros et après ça essayer de se rapprocher de l'Occident, sincèrement, c'est aussi l'art de se tirer une balle dans le pied. Donc on est sur une situation extrêmement complexe, mais je soutiens aussi les Arméniens énormément dans le drame qu'ils sont en train de vivre. Donc on est, pour la première fois depuis longtemps, on a ces trois théâtres ukrainiens. Je vous rappelle que pendant la guerre du Haut-Karabakh, les Ukrainiens, surtout après la victoire azérie, d'abord les Ukrainiens ont livré des armes aux Azéris, et les Ukrainiens considéraient que le Haut-Karabakh était à l'Azerbaïdjan, ce que la Crimée est à l'Ukraine.
Donc, il y avait un soutien pour ce régime totalitaire et chiite. Aliyev est un ancien, enfin le père d'Aliyev était au KGB, le fils n'a pas connu cette période-là. Mais voilà, on est sur des jeux à front renversé qui sont intéressants. Et plus que dans les années passées, et plus que sur le conflit ukrainien, j'ai la crainte qu'une allumette puisse déclencher un incendie de plus grande taille et avoir des répercussions un peu partout. Donc c'est l'interdépendance ou les conséquences d'un théâtre sur l'autre sont aujourd'hui quelque chose de très préoccupant. Il est 7 heures ce matin à Gaza, les armes se sont tues. C'est le début de 4 jours de trêve qui doivent permettre les premières libérations d'otages israéliens dès ce vendredi. Intermédiaire entre l'État hébreu et le Hamas, la diplomatie du Qatar a donné hier quelques détails. Le premier groupe de civils sera libéré de Gaza autour de 16 heures, heure locale. Ils seront 13, tous des femmes et des enfants. Les otages de la même famille seront relâchés à chaque fois dans le même groupe. Au total, 50 otages doivent être libérés chaque jour jusqu'à lundi. Chaque soir, les autorités israéliennes doivent recevoir du Hamas la liste des noms de ceux qui seront relâchés le lendemain. Les otages doivent ensuite être acheminés vers l'Égypte via le terminal de Rafah avant d'être transférés vers Israël. En échange, 150 prisonniers palestiniens seront libérés, eux aussi par groupe, exclusivement des femmes et des jeunes de moins de 19 ans, en très grande majorité originaires de Cisjordanie. Parmi les conditions imposées par Israël au Hamas, aucun d'entre eux ne doit avoir de sang sur les mains. Le gouvernement de Benjamin Netanyahou a fait savoir qu'à chaque dizaine de libérations supplémentaires après les 4 jours de trêve, celle-ci serait prolongée de 24 heures. Parmi les inconnus, demeure la question des otages restant à Gaza. Israël demande qu'ils puissent recevoir la visite du Comité international de la Croix-Rouge. L'organisation dit ne pas avoir reçu d'autorisation du Hamas pour le moment. La trêve de 4 jours entre Israël et le Hamas dans la bande de Gaza est entrée en vigueur ce matin. Elle doit permettre la libération de 50 otages israéliens, dont 13 dès aujourd'hui, et de prisonniers palestiniens. Un plus grand nombre de convois humanitaires ainsi que des camions chargés de carburant vont également pouvoir entrer dans l'enclave après 48 jours de bombardement de l'armée israélienne en représailles à l'attaque du Hamas. التهدئة احنا بننظر لها ك يعني كتنفس من ال 45 يوم او 48 يوم الضغط اللي مضوا علينا كمواطنين غزيين انا مواطن من مدينة غزة ونازح على مدينة رفح هنا كنت اتمنى ان تكون التهدئة تشمل كل قطاع غزة عشان اروح اشوف بيتي المهدوم واشوف ايش الاشياء المتبقية من Sur ces images, des tracts envoyés par l'armée israélienne dans le sud de la bande de Gaza demandent aux habitants de ne pas retourner dans le nord de l'enclave. إلى سكان قطاع غزة الحرب لم تنتهي الهدنة الإنسانية مؤقتة منطقة شمال قطاع غزة هي منطقة حرب خطيرة وممنوع التجول بها. Après des derniers échanges de tirs juste avant l'entrée en vigueur de la trêve, le calme semble être revenu à Gaza, mais aussi à la frontière israélo-libanaise. 13 otages israéliens ont donc été libérés tout à l'heure comme prévu. D'abord pris en charge, vous le disiez, par la Croix-Rouge. Ils ont été depuis remis aux autorités égyptiennes et seraient désormais entre les mains des autorités israéliennes. C'est en tout cas ce qu'affirme une source sécuritaire israélienne. 50 au total doivent être libérés durant cette période de trêve de 4 jours en échange d'a priori 39 prisonniers palestiniens dès aujourd'hui. 150 au total d'ici lundi inclus. Est également prévue une augmentation substantielle de l'aide humanitaire à la bande de Gaza où l'accalmie semble bel et bien au rendez-vous. On va rejoindre tout d'abord à Tel Aviv Karim Yayaoui. Karim, soulagement pour l'heure des familles des 13 otages israéliens libérés, mais sentiments mitigés tout de même. Alors sur cette place de Tel Aviv où nous nous trouvons, on a suivi de très près les différentes étapes de cette journée qui n'est d'ailleurs pas terminée avec cette première libération d'otages israéliens, notamment des mamans et leurs enfants. Et c'est vrai que le soulagement était de mise pour les citoyens de Tel Aviv et pour les familles de ces otages. Vous le disiez, soulagement, mais en même temps c'est mitigé parce que
ce n'est que la première étape de libération qu'on espère nombreuses et qui vont suivre dans les prochains jours. Les personnes avec qui on a parlé avant que ces informations ne soient confirmées, ces informations selon lesquelles les otages ont été remises aux Israéliens. Pendant tout cet après-midi, il y avait une forme de scepticisme, rien n'est fait, rien n'est confirmé. En tout cas, les choses semblent se dérouler à peu près comme prévu. Est-ce que la trêve qu'Israël accepte, après avoir expliqué que ce serait la guerre totale, est-ce que c'est le signe d'un échec des opérations militaires terrestres israéliennes à Gaza? Non, c'est le signe du fait que les États-Unis ne sont plus capables d'assumer ce massacre en direct à la télé. On n'a jamais vu, jusqu'à aujourd'hui, de génocide en direct à la télé. D'abord, les États-Unis ont imposé cette trêve. Parce que le président Biden ne peut plus tenir son opinion publique. Les gens se dressent contre lui maintenant. S'il veut être réélu, il doit faire quelque chose. Et cette chose, ça a été imposer cette trêve, ces échanges de prisonniers. Est-ce qu'il y a un risque de défaite militaire d'Israël ? Moi, je ne pense pas que l'on puisse infliger une défaite militaire à un pays qui est défendu par les États-Unis, comme celui-là. Actuellement, il y a trois groupes navals, trois porte-avions et toute leur escorte qui sont au large de Gaza. C'est jamais arrivé dans aucun conflit, ça, hein, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a un sous-marin lanceur de Tomahawk, il a 154 Tomahawk qui sont prêts. Et les États de l'OTAN viennent de déployer des chasseurs-bombardiers dans la région, surtout au Liban, dont des Français, dont personne ne parle ici, hein, mais nous avons des avions français qui sont stationnés au Liban, qui sont prêts à intervenir dans cette guerre, donc qui jouent un rôle de dissuasion par rapport à une partie, s'ils sont présents. Nous sommes de facto engagés dans ce conflit. La République populaire démocratique de Corée, la RPDC, a déclaré qu'elle rétablirait toutes les mesures militaires qu'elle avait interrompues dans le cadre de l'accord conclu avec la Corée du Sud et qui visait à désamorcer les tensions le long de leurs frontières communes. Le ministère de la Défense de la RPDC déclare également qu'il va déployer des forces armées plus puissantes et de nouvelles armes. Cette annonce intervient un jour après que la Corée du Sud a partiellement suspendu un accord militaire bilatéral vieux de 5 ans, annonçant le renforcement de la surveillance le long de la frontière. Séoul explique que cette décision fait suite au lancement par Pyongyang mardi d'un satellite espion. Le pacte suspendu avait été signé lors d'un sommet en 2018 entre le dirigeant de la RPTC Kim Jong-un et le président sud-coréen de l'époque Moon Jae-in. Anarcho-capitaliste, libertarien radical, populiste d'extrême droite, les étiquettes ne manquent pas pour qualifier Javier Milei, le nouveau président argentin, élu le 19 novembre. Sa victoire est sans appel. Près de 56% des voix contre 44% pour le candidat péroniste, l'actuel ministre de l'économie, Sergio Massa. Javier Milei a été élu par la classe moyenne, une bonne partie des classes populaires et les jeunes. Mais il a été aussi largement soutenu par le patronat et ceux qui, aux États-Unis, voyaient d'un mauvais œil l'Argentine développer des relations privilégiées avec la Chine et les BRICS. Mercredi 15 novembre, reçu par le patronat argentin dans les salons de l'Alvéar, le palace de Recoleta, le quartier chic de Buenos Aires, Javier Milei a été très clair. « Je ne veux rien avoir à faire avec les communistes, les autocrates et ceux qui ne respectent pas la démocratie libérale. Il est aligné sur les États-Unis et se dit prêt à rompre les relations avec le Brésil de Lula et la Chine communiste. Le contre-pied de la politique du gouvernement péroniste qui entendait rejoindre les BRICS et accroître les relations avec la Chine. Pour Washington, l'élection de Milei rebat les cartes en Amérique latine. L'Argentine rentre dans le rang. Le Brésil de Lula est affaibli. Reste à savoir si Javier Milei appliquera à la lettre son programme. Le patronat ne veut pas d'une rupture brutale avec la Chine, ni surtout avec le Brésil, avec lesquels il a trop de liens.
Quant à la dollarisation, elle a déjà été tentée à l'époque de Menem, il y a près de 30 ans. Ce fut un échec cuisant. Javier Milei n'a pas la majorité au Congrès et il ne contrôle pas les gouverneurs. Théoriquement, il va devoir composer avec la droite traditionnelle qui finalement l'a fait élire. Mais compte tenu de l'ampleur de sa victoire, il n'est pas sûr que le trublion mette de l'eau dans son vin et accepte d'édulcorer son programme. Le Mali s'est associé à la Russie pour un projet de raffinerie d'or à Bamako. Après la révision du code minier cette année qui visait à renforcer la présence nationale dans les projets miniers, le gouvernement malien oriente désormais ses efforts vers la transformation locale. Le protocole d'accord valable 4 ans prévoit la construction d'une raffinerie capable de traiter 200 tonnes d'or par an. Les délais de construction n'ont pas encore été divulgués, mais une fois achevée, la raffinerie de Bamako devrait être la plus grande de la sous-région ouest-africaine. Selon le ministère malien des Finances, le projet permettra au pays de contrôler sa production d'or et d'appliquer correctement toutes les taxes et tous les droits. À noter que la majorité de la production d'or au Mali et en Afrique est actuellement raffinée hors du continent, notamment en Suisse, au Canada et en Chine. Selon les données officielles, le Mali a été le deuxième producteur ouest-africain d'or et le troisième sur le continent en 2022, derrière le Ghana et l'Afrique du Sud. Le général Tchiani, accueilli à sa descente d'avion par le colonel Assimi Goïta pour son premier voyage à l'international depuis fin juillet et sa prise de pouvoir. L'homme fort de Niamey est à Bamako pour quelques heures, une visite d'amitié et de travail selon les autorités maliennes. Les dossiers communs aux deux pays ne manquent pas, notamment sur le plan sécuritaire. Le président malien de la transition et le président nigérien du CNSP, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, ont évoqué l'alliance des États du Sahel qu'ils ont mise en place il y a 2 mois maintenant. C'est une occasion pour commencer la pacification du Sahel de façon générale. À travers cette alliance, les peuples du Sahel, notamment du Mali, du Burkina et du Niger, affirment qu'ils ont pris conscience d'être sur la terre promise et que rien ne les détournera de leur objectif. Mi-septembre, les régimes militaires maliens, burkinabés et nigériens créent l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui prévoit une assistance mutuelle en cas d'atteinte à la souveraineté et à l'intégrité territoriale des trois États et des liens économiques renforcés. Deux réunions ministérielles vont avoir lieu dans les prochains jours à Bamako pour concrétiser ce partenariat. Cette visite du général Tchiani à Bamako a été perçue comme une reconnaissance par le collectif pour la refondation du Mali, un mouvement politique proche des autorités de transition. Le Mali a été le premier pays à soutenir officiellement le coup d'État au Niger. Et le Niger aujourd'hui est en train de tout faire aussi pour soutenir le Mali. Donc c'est une fraternité, une solidarité entre deux pays qui sont victimes de complots. Des complots malheureusement dont l'un des acteurs qui est en train d'exécuter ce complot est la CEDEAO. Pour la classe politique malienne, plus généralement, ces liens renforcés entre Bamako et Niamey portent surtout l'espoir d'une amélioration de la situation sécuritaire au Sahel. Nous, on ne raisonne pas en termes de menace pour la démocratie ou pas. Ce qui est important pour nous, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire pour endiguer l'insécurité dans notre région? C'est parce que nous sommes confrontés aux mêmes enjeux. Après Bamako, le général Tchiani s'est envolé ce jeudi après-midi pour Ouagadougou, au Burkina Faso. Les capacités de l'Algérie en matière de production de gaz se confirment d'année en année à la faveur d'une stratégie et un plan favorisant l'accroissement des volumes en fonction de la demande sur le marché international. Avec une hausse d'environ 11% durant les 9 premiers mois de l'année en cours, la production de gaz en Algérie fait un bond de 8 milliards de mètres cubes pour atteindre un total de 79 milliards de mètres cubes contre 71 milliards de mètres cubes en 2022. La hausse est appréciable, notamment durant le mois de mars dernier, qui a connu un pic de production avec environ 13,2 milliards de mètres cubes. En moyenne, la production algérienne de gaz durant la période de référence a augmenté d'1 milliard de mètres cubes en comparaison avec la même période en 2022.
Une configuration qui a permis à l'Algérie d'engranger la bagatelle de 38 milliards de dollars en exportation d'hydrocarbures durant les 10 premiers mois de l'année. Hormis ses nombreux engagements avec les pays de l'Union européenne, le groupe Sonatrach vient d'ailleurs tout juste de prolonger son contrat avec la société Botash pour la fourniture de gaz naturel liquéfié à la Turquie. Cœur de l'Europe pour discuter des relations entre la Chine et l'UE. Leurs relations oscillent maintenant entre coopération et concurrence. Aujourd'hui, dans un contexte géopolitique difficile, les participants au forum ont noté que les relations entre la Chine et l'UE se trouvaient plutôt entre les deux. Mais il y a eu de nombreux développements positifs au cours des deux décennies qui se sont écoulées depuis le lancement du partenariat stratégique global entre les deux parties. Since then, China-EU relations Les relations Chine-UE ont prospéré grâce à des dialogues étroits et à une coopération renforcée qui ont apporté des résultats tangibles aux deux parties. Le thème de la discussion de jeudi était « 20 ans après, quelle est la suite des relations entre l'UE et la Chine ?» Monsieur Fu a déclaré qu'il y avait plus d'exemples de coopération que de différends entre les deux parties, mais que ces différends devaient être abordés. Nous espérons que l'UE et ses États membres ne développeront pas leurs relations avec d'autres pays aux dépens des relations Chine-UE ou aux dépens des intérêts de la Chine. L'UE et la Chine sont en désaccord sur certains sujets comme le commerce, bien qu'elles soient partenaires économiques clés l'une pour l'autre, avec 2,5 milliards de dollars d'échanges bilatéraux par jour. La Chine a exprimé sa préoccupation sur l'ouverture d'une enquête anti-subvention par l'UE vis-à-vis des importations de véhicules électriques, et ce principalement en provenance de la Chine. Par ailleurs, l'UE s'efforce de réduire sa dépendance économique à l'égard de la Chine, notamment en ce qui concerne les produits de base essentiels. We see China as an essential partner. Nous considérons la Chine comme un partenaire essentiel, mais aussi, selon les domaines, comme un concurrent et un rival systématique. Nous sommes des partenaires économiques majeurs, notre relation bilatérale est importante, et en tant qu'acteur économique majeur, le cap que nous fixons a un fort impact sur les perspectives économiques mondiales. Les participants au forum se sont mis d'accord sur le fait que la coopération entre les deux acteurs mondiaux est nécessaire pour contribuer à résoudre certains des principaux problèmes auxquels le monde est confronté. Il s'agit notamment du changement climatique, des conflits et de la nécessité du développement. Le forum a abouti au consensus que l'engagement et le dialogue entre l'UE et la Chine sont essentiels pour renforcer les relations de longue date. Le résultat des élections législatives néerlandaises pourrait annoncer de nouveaux casse-têtes pour l'Union européenne. La formation d'extrême droite, le PVV, le Parti pour la Liberté, est arrivée en tête avec 37 sièges, insuffisant pour obtenir une majorité absolue, mais suffisant pour permettre à son dirigeant, Geert Wilders, de diriger une éventuelle coalition gouvernementale. L'une des propositions fortes du dirigeant populiste est la tenue d'un référendum sur une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne, mais pour le moment, la Commission européenne refuse de dramatiser. Elections take place at regular intervals in the member states, and this does not per se put in doubt in any way the membership of any country to the European Union. We continue to count on the Netherlands' strong participation in the European Union. Si une sortie des Pays-Bas de l'Union européenne semble peu probable, l'arrivée de Geert Wilders au pouvoir pourrait provoquer des difficultés dans trois dossiers majeurs au niveau européen, la politique migratoire, l'aide militaire à l'Ukraine et le budget commun. But still, there will be some difficulties there reaching consensus. I think we could see with Wilders in power a much more critical position of the Dutch government when it comes to the budget of the European Union, the multi-annual financial framework, which will have to be soon enough negotiated. And you know, even with, let's say, more pro-European governments in the Netherlands, we have seen the Dutch being quite critical and pushing for not increasing the EU budget. Now, with this new government, it can be even more so the case. Toutefois, le PVV ne peut pas diriger seul le pays. Geert Wilders va devoir entamer des négociations qui pourraient prendre beaucoup de temps en vue de former une coalition.
À titre d'exemple, il a fallu 10 mois de discussions pour établir le gouvernement précédent. Selon l'analyste, l'issue des élections législatives néerlandaises n'est pas le signe annonciateur d'une vague d'extrême droite en Europe. Il souligne que chaque scrutin dans les États membres dépend de cycles politiques sur la scène nationale. Nous sommes le plus grand parti des Pays-Bas. Le parti de la liberté d'extrême droite a provoqué une onde de choc en Europe. En arrivant en tête pour la première fois lors d'une élection aux Pays-Bas, l'eurosceptique anti-islam Geert Wilders et son parti occuperont 37 des 150 sièges du Parlement néerlandais. Le parti du Premier ministre sortant Mark Rutte a été relégué à la troisième place. La coalition du Parti travailliste et des Verts a contrarié la tendance de la droite en obtenant 9 sièges de plus que lors des dernières élections, un gain qui pourrait s'avérer crucial pour la formation du prochain gouvernement néerlandais. Il ne fait aucun doute que la victoire de l'extrême droite constitue un changement majeur dans la politique néerlandaise, mais cela ne signifie pas que Geert Wilders sera Premier ministre. Il a besoin de 40 sièges supplémentaires des autres partis pour pouvoir former un gouvernement, et à l'heure actuelle, il n'a pas le nombre nécessaire. Les trois leaders, issus des partis de centre-gauche, centriste et de centre-droit, pourraient travailler ensemble pour former un gouvernement qui exclurait Geert Wilders et son parti de la liberté, une décision qui, selon Geert Wilders, ne répond pas aux attentes des électeurs. Je pense que les gens ne comprendraient pas et n'accepteraient pas non plus que le grand vainqueur des élections ne joue pas un rôle important dans la coalition. Nous devons tous être raisonnables, nous devons être responsables, et nous devons faire des compromis pour nous assurer que ces votes en valent la peine. Wilders aura cependant du mal à former un gouvernement. Le parti de Frans Timmermans, en deuxième position, a exclu toute collaboration avec lui ou son parti. Il en va de même pour Peter Omtzigt, député centriste dont le parti, créé il y a 3 mois, a remporté 20 sièges. Le parti sortant du gouvernement, le VVD, reste donc un partenaire de coalition possible. Sa chef, la ministre de la Justice, Dylan Yeşilgöz-Zegerius, a déclaré qu'il n'était pas envisageable que Geert Wilders devienne Premier ministre. Mais cela laisse à Geert Wilders la possibilité de jouer un rôle au sein du gouvernement. Ce qui est clair, c'est que les Pays-Bas se sont rapprochés de leur aile droite politique, ce qui inquiète la coalition du Parti travailliste et des Verts de Frans Timmermans. Ce sera horrible pour beaucoup de choses. Ce sera horrible pour tous ceux qui ont des origines différentes de celles des Néerlandais blancs. Ce sera horrible pour la communauté homosexuelle des Pays-Bas. Ce sera désastreux pour l'avenir de la vie sur cette planète, car il est certain qu'un gouvernement de droite dure ne prendra aucune mesure pour le climat. Cette élection était trop serrée pour être prévisible à l'avance, mais maintenant que les résultats sont connus, les négociations pour former une coalition peuvent commencer. Les dernières négociations pour former un gouvernement ont duré 271 jours et donc, bien que Mark Rutte soit éliminé, il faudra peut-être attendre encore un peu avant de savoir qui le remplacera. Tout de suite, mais d'abord, l'édito international sur Europe 1. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour à tous. La basilique de Montmartre illuminée en rouge ce soir, comme celle de Lourdes ou celle de Chartres, celle de Canberra en Australie, l'abbaye de Westminster, le Colisée à Rome également ou encore le Corcovado à Rio. En France et partout dans le monde, Vincent, un coup de projecteur ce matin sur la persécution des chrétiens. Oui, des églises repeintes en rouge comme du sang frais, comme la pourpre que portent les cardinaux, la couleur du martyr. Il y a eu davantage de chrétiens tués à cause de leur foi au XXe siècle que dans l'ensemble des siècles précédents. Les bourreaux étaient évidemment nazis et communistes, deux idéologies laïques, faut-il le préciser. Et à la chute du mur, un index annuel des persécutions a été imaginé. Des ONG collectent, documentent, analysent le phénomène. Depuis 30 ans, la situation empire. L'organisation aide à l'Église en détresse, illumine en rouge les sanctuaires et c'est sa façon à elle de sonner le tocsin. Alors en résumé, Vincent, la violence décuple en Afrique, les chrétiens d'Orient s'enfuient, ceux d'Asie servent de bouc émissaire. Et les médias n'en parlent pas, ou si peu. Qui a parlé des 100 000 catholiques du Manipur au nord-est de l'Inde, cible d'émeutiers au printemps? Ils ont fui par dizaines de milliers, près de 200 ont été tués sur place, 300 églises sont parties en fumée. On comprend le grand silence du gouvernement. Les nationalistes de Narendra Modi pensent qu'un bon Indien doit être un Indien hindouiste. On comprend moins l'indifférence de l'Occident. Idem avec les centaines de maisons appartenant à des chrétiens incendiées cet été au Punjab par des islamistes pakistanais. Ça n'a pas fait une brève dans les journaux. Les attaques de djihadistes de la Corne de l'Afrique jusqu'au Sahel. 15 morts par jour, rien qu'au Nigeria.
tous les jours, dimanche inclus, eh bien on n'en parle même plus, rien de nouveau sous le soleil. Vous me direz, les tropiques c'est loin, mais regardez comme on a passé par profits et pertes les 100 000 chrétiens du Haut-Karabakh jetés comme des chiens en deux jours d'une terre qui était la leur depuis 2000 ans. C'est à la porte de l'Europe, le plus ancien royaume chrétien, son siège a duré 9 mois, le monde a laissé faire, le Karabakh a disparu, n'en parlons plus. Alors, il y a des crises plus urgentes, cela dit Vincent, plus menaçantes, qui monopolisent notre attention. Oui, bien sûr, mais si vous pensez à l'Ukraine, il serait bon peut-être de s'étonner que le gouvernement Zelensky ait interdit l'église orthodoxe rattachée au patriarcat de Moscou. Depuis quand le Parlement d'un pays démocratique impose-t-il aux croyants comment ils doivent prier? Si vous parlez de Gaza, c'est quand même la Terre Sainte et elle a été bien avant de servir de tanière au Hamas. Les ruines du monastère de Saint-Hilarion datent du IVe siècle, pas de ces dernières semaines. Les chrétiens de Gaza sont des survivants. Ils étaient 7000 avant la prise du pouvoir du Hamas. Il en reste un millier, c'est dire la pression qu'ils subissaient avant de devenir des otages de ceux qui les oppriment ou des victimes collatérales des combats. Pour le malheur de cette communauté, l'église Saint-Porphyre et celle de la Sainte Famille, leurs deux principaux lieux de culte, sont au nord-est du territoire et les déplacés qui s'y étaient réfugiés n'ont pas été épargnés par les bombardements. Illuminés en rouge, des monuments ne va pas soulager les chrétiens d'Orient et d'ailleurs. Mais c'est déjà pas mal si cela nous éclaire sur le calvaire qu'ils endurent. Le gouvernement allemand s'apprête à enfreindre ses propres règles contraignantes en matière de dette en faisant voter un budget supplémentaire. Ce vote intervient après que la Cour constitutionnelle a jugé que le gouvernement avait transféré illégalement des fonds d'aide à la pandémie à des projets de lutte contre la crise climatique. Le vote de la semaine prochaine vise à contourner l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Le ministre des Finances estime qu'il est nécessaire d'éviter un déficit massif des dépenses. Je betrachte es als meine Aufgabe, jetzt reinen Tisch zu machen. Wir können erst dann wieder über das Jahr 2024 und die nächsten Jahre sprechen, wenn wir einen rechtssicheren, einen verfassungsrechtlich gesicherten Zustand haben. Und dazu wird es in der nächsten Woche diesen Entwurf eines Nachtragshaushaltes 2023 geben. La règle de la limite de la dette a été inscrite dans la Constitution en 2009, mais elle a déjà été suspendue trois fois depuis 2020 pour faire face à des urgences nationales. La décision de la Cour a contraint le gouvernement à geler 60 milliards d'euros d'investissement dans les énergies vertes et les dépenses de défense notamment. Alors n'oubliez pas de nous soutenir sur Tipeee, de partager et d'écrire des commentaires. C'est très important pour nous.